à l'aide des infos pertinentes. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ne pas la même rôle. Et on a créé un partage. Bissou Kadi, la ilaha illallah. Seyyidina Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malion, à Konya et Bi, Asmi Gwitani Tchani, on y ibe ou y a break nous, m'gé diakono, y a Sedao Galabou, y a Kari. Sedao n'existe plus. Sedao est dans la garbage. Sedao is in trash can. Sedao is thrown away. There's no more Sedao. Sedao is Jaman. Sedao Sara. Sedao Tabrur. Amto. African Military Training Organization. African Military Training Organization. Oui. C'est fini. Donc, Aminaye, Clefrena, à la Témé, Warfenabo, on va sortir avec notre argent. Mais, Bolon, la Mabao, au Bolé, avec la Ganganafo, Ngaye, Joye, au Sokal Koukala Maïga, Sokal Koukala Maïga, Asimi Folen Bolé, à la, nous, et Nedronier, et mon président, son excellence, Simbo Dakantri. Malien, Massami, à la, à me Koumala, Ermina, Ermali, Binale. Eh, tiens, moi, ni Dion, ni Mousso Dion, Fresson, au Kélina, Do Baba, Erefara. Ni a muso dion fere son okelina, do baba ere faga. Mama yi jiglat ke transition ina, ali ki da treya ki faga, ben ala na kirachi. Masami alaye ame kumala ermina, asimi goita simo dakantigi, ani irisina be kumala, ube vaye vien la, ermali bina tukumina, avec la cooperation de la Russie. Mouman fari, yi jigere ka fari. Ayi ngo, Ala ko kurane kono kikila maga kibale ala soronyene ala kumakane. Ala ko kurane kono ko arma de mumin mamin dala male ala la. Ko eka sirata dro ale ala iba soronyene ale nitoko ya razak. Al raz. Mamin gana nafuru te ba. Mamin gana herek te ba. Ya Rahman. Femme tige mwomi ta. Masa miye kuluda. Arma de nkele fewe mwyo wolo. Mwomi nukera fenye una wolo la diwa. Wala di ba di. Masami ala malion asimi bota ko kaka udara snoko ko er mali ko abena pa dien be kono abos ki kala inshallah obeka diskite ni erina o papier be yininga sie ka ban abena ofreye er frasi ko nyo bani er mali na che kono ke kono kulu ninta kono ninta kono ninta kono nguta abena segi asimi ko ko an fa na mba u desera fefela ka ba beke malion ni ala e fenin fenitini so mba di ma amna ni bolo fly Asimi Gwetani Sogel Kogala ka duo, sadiri, nye dougula karide donko, abin ala na karadje. Nako, mou Asimi Gwetani Sogel ka duo, mou nye dougula karide don. Don ame boye men non on karike men dado Sogel la, tonton Sogel, mon ministre Sogel, son excellent Sogel. Sogel koukad ne re. Masami ala e Sogel y dougou ni nyani. Ah, Sogel y dougou ni nyani, la ilha ilha, ben verro nyala. Sogel dougou bemi, a dougou bemi. Sogel dougou bemi, ay, Sogel dougou irana. Sogel dougou bemi. Eh, la nakira, la ilaha illallah, kuna metra amese, bouya be mande, bouya masiki be mande, mamunu yu kanto ko sugal be viru manu taka kuma anola, entigala, ala kowe refaka, eche ya obo ma de wulusa, entigala, ah sugal juguni nyani, eh la ilaha illallah, eh, sugal e diskur mi kalankunu, sugal e diskur mi kalankunu, mamunu bora ka sugal e doya, soit disant que quand il est faux, quand il est temps qu'on revient au développement, maman au takuba kerenai, aye gabri du kankunu, avec comme on est demandé de quoi, pourquoi on a demandé de quoi tu y as là? Ah ou Joe, maman mais quand on est demandé de follow, parce qu'il y a faux un amour la famille vient avant tout, notre famille beaucoup l'engagé là, donc maintenant maman demain, car aye mina a demandé un blanc mobile qu'on a quoi, mais au blanc monsieur kere, inshallah. Maman Nati, la nuit demain. Madame Dante,
Déploiement militaire pour nous intimider dans trois pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires ont quatre objectifs, mais les Africains ne voient que un, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel par une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif, c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité.
C'est leur guide. Il faut faire attention, on est là. C'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvés, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là. Donc on ne choque les le ramasseur. À tort de coup, le ramasseur. C'est-à-dire, à flèner qu'à beau, qu'à tirer dit. A flèner qu'à beau, qu'à tirer dit. Massami, alaye. Mamounou, en Afrique, en Afrique, jamana foire, démonou bé. Nous le bécatou, dit Kalfaou Marabala. Mounoukatou, dit Kalfaou Marabala. Mamouka, jamana ou tchouye. Mamounou, fafra kou bafra. Mamouna, il a qu'à faux, kouma délika, fouika frafouye, ni frafi fralite. Quand on a fait tout, dit Seme, Mamouka, jamana tchi. Voilà ça, ou que c'est là, parce que foiroudou. Ce qu'elle kouma, coûte moudon, qu'on fera citer dans nous de Melare. Qu'il y a quatre éléments. Ko fenani ne be mu me ka to franci be ka e igerula ko o fenani so ka yore situye ko folo u ka kedi ki seme u ka donga fo kulu ka sura subu ka jamana konala nu ma taw ka jamadama masami alaye u be kurita kula o e premier element fenani mu ne u ka donga fo ko ka ka sede o mu sigleno no e anga jamana u farale nyonga wora saka saka sani fere ke nyonga fe ka saka donga boga nyonga jamana konala comme on fait des solocadés, kuka donga fo, koto wu ko femi mara, o se ki sa ko ki fo ka dien wuli. Sugal ka analyse nous, c'est très très pertinent. Donc m'habitue era mawa, ka fo ko sugal be modifie sara, ko ka kuma nola. Vraiment il faut être très bête. Sugal mo ko te ka vinu mo. Si vous faites un coup d'état, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça. Il faut que cette histoire là les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Oui. Donc, ils nous laissent en paix. Oui. Et nous allons combattre le terrorisme. Et l'AMINUSMA, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Oui. Faut pas Massa. Ce qu'il faut, que l'AMINUSMA va partir le 31 décembre. L'avion est parti. Comme il est à l'aéroport là, nous il y a vol air fié. Il y a un image de l'avion colon 1h45 minutes en avance. Ou l'avion d'Atoum. C'est-à-dire la porte de l'avion du Mali est fermée. La porte de l'avion de Burkina Faso est fermée. La porte de l'avion de Niger est fermée. Que cela soit très clair. On écoute le docteur Sogel Kogalamaï. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain, ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers de nous qu'on les respecte. Il n'y a eu aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ce sacrifice-là à un moment donné de son histoire. Ils veulent amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction éclairée à des soldats braves et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame sur nous. Donc on est sur le coup de la maïgaye, car il a bel à cafo. Quand on a un amalgame qui est en train de se faire, on a un amalgame qui est en train de se faire. Il faut que nous le développement du Mali est en merge. Le développement de Burkina Faso est en merging. Et le développement de Niger est en merging. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, sur le discours, c'est un discours de 15 minutes. Donc, je suis allé, 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 donc, tu la vidéo bien joué, mais il y a des gens là, qui ont été en train de se faire. Ce qui est le problème, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
ko bana ye fura be Asimi Goïta bolo, a fura ba ale bolo, ko maliyɛnw ka doliparanin ta, u ka tila ka Nivakin ta, n'u kilala u ka aspirin fɛnɛ ta, ko o jamana ci ko nunnu ko tɛ marse tuguni olu ni ɲɔgɔn cɛ, ko olu be développement niveau de la, manamana kan fɔ ko ça c'est le discours de petit homme, k'olu be jamana jɔ de la, et ils ont des visions très lointaines. Donc sur elle vraiment, son excellence, in Asimi Goïta, diɛ bɛɛ ɲɛbɔlen bɔ aw fɛ bi. Tout le monde veut devenir comme Asimi Goïta et Chokel Kokala Maïga. À l'heure dont je vous parle, le balan le dado et président Zona, le voleur leader, c'est qui il s'appelle Alassane Ouattara. Le balan le mabagao, Masami Alaye, Akoniaye, Jimmy Dona, Abidjan Palais, Abidjan Stadium Konala. Jimmy Dona, Abidjan Stadium Konala. Ambora Kalamaka Donga Fo. Comme Mamie au gazon, Mamie Ada. Mamie Gazoy et Barake, c'est un Français. Donc, à dire à toi, vous donnez à dire à allez, toi, vous êtes clé, allez, Paris Saint-Germain et Stadium, allez, au gazon. Paris Saint-Germain, Stadium Gazon, Massami, allez, Malien, au Stadium Gazon, à Glana, 600 000 euros. Aïe, à ma commande, aïe, namere, les Ivoiriens qui disent qu'ils aiment Goudron là. Les gens qui disent qu'ils sont les moutons de Ado là, vraiment vous êtes des moutons de Ado. Ado c'est un voleur. Moi j'ai dit au monde entier que Ado c'est un bandit. Et je reste à me dire, je vais vous le prouver que Ado c'est un bandit. Gazon mi flenye ni à Dara Abidjan. Na Dara Abidjan Stadium Kourakon. Au gazon, a pris à Nyona, Abidjan Kerenga à Nyona et Paris Saint-Germain Takon. Comment il crée Paris Saint-Germain Taglan? Comment il y a Glan? Ils ont fait au prix de 600 000 euros pour faire les gazons et les structures au Paris Saint-Germain pour faire la même chose en Côte d'Ivoire. Mais le même gazon de la Côte d'Ivoire, ça a coûté les Ivoiriens 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Qui est bandit? Alassane, c'est pas un bandit ou il est quoi? Aïe, c'est qui? Le gazon de la Côte d'Ivoire, quand ils ont vu Paris Saint-Germain, Stadium de Paris Saint-Germain, les Ivoiriens disent qu'ils veulent avoir la même chose. Et la compagnie qui a fait cette construction, ça les a coûté, Paris Saint-Germain, 600 000 euros. Et ils ont embauché la compagnie qui a fait ce travail. Et ils l'ont amené en Côte d'Ivoire. Et le prix qui a coûté les Ivoiriens, ça a coûté la Côte d'Ivoire, le même gazon, même superficie, même square, et même stadium, ça a coûté le gazon que l'eau a coulé en Côte d'Ivoire, ça les a coûté les Ivoiriens 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Vraiment, les Ivoiriens, vous êtes les vrais moutons de Alassane Ouattara. Mais ça, on m'a salé à Kalla, m'a donné Dante Kani Basaboré. Maintenant, prévu pour aller là, comme ça, on peut voir calamment. Parce qu'il va donc, j'ai un galon de guerre, galon de guerre, le temps ne ment à personne et le numéro ne ment à personne. Ne quoi, moi, j'ai un galon de guerre, galon de guerre, numéro de galon de guerre. Vraiment, ça fait honte, hein, à la main. Justement, la société qui est déchargé de refaire la pelouse. Parce qu'il faut savoir que le match contre le Cameroun s'était déjà joué sur un champ de patates, oui, pour un nouveau stade. Avaient... Cette société, c'est une société française qui s'appelle Scafel. Scafel refait le stade du Paris Saint-Germain à 600 000 euros. Oui. Curieusement, cette pelouse est bien. Cette pelouse est bien. Oui. Le même Scafel, on nous dit que l'État, oui, l'État, c'est-à-dire que par le truchement du ministre des Sports, a demandé 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Pas un million, mais 30 millions d'euros. D'un côté, vous avez un beau stade refait à 600 000 euros. Et de l'autre côté, vous avez un stade qui n'est pas fait à 30 millions d'euros. Vous dites qu'il y a... Voilà. Donc voilà, voilà le planton, le sous-préfet de la Côte d'Ivoire. Le voleur déguiché devant Dieu et le monde. Le sanguinaire. Le sanguinaire de la population de la Côte d'Ivoire. Un président voleur avec son administration. Donc les Ivoiriens, vous pouvez continuer à manger goudron. Et si vous voulez faire désert, vous pouvez manger aussi les gazons comme désert. Mais la vérité est quoi? Vous avez un président voleur, c'est moi qui le dis. C'est un bandit, c'est un voyou. Et voilà un président qui veut dire que lui va mettre embargo sur le Niger.
un bandit salaud. Comment on peut respecter quelqu'un comme ça? Ça, c'est un leader. Ça, c'est un leader. Le voyou qui n'est même pas ivoirien. Le voyou que le Lofoy Boigny a imposé par la force de la France. Et voilà le voyou encore. En 2023, il continue à voler les pauvres Ivoiriens. Donc, voilà pourquoi je suis content pour montrer à la population ivoirienne de quel genre de bandits qu'ils ont. Même le prix de leur pont là, qu'ils disent qu'ils vont prier sur le pont. Quand on vous donne les statistiques du pont, vous allez voir, il faut faire très attention de ne pas monter sur ce pont. C'est un bandit. Alassane, c'est un bandit. Alassane, c'est un gangster. Tout son alentour, c'est des gangsters. À l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Amoula Hermina, ne balana me braou. Ne afa onyana. Moi, les Français, ils sont rien. Ils ne seront rien sans les Africains. J'étais très clair avec ça et je tiens mes dits. Ne balana me braou. Amoula Hermina. Masami alaye. Et yanni ngandado la follow. Angandado corruption na alsa malila. Bref, nous barou me jamana konala. Malila, il va nous blâler à Sojo, il y a un raquet pongé, ou il y a un Abidjan Stadium, ou tout le monde qui a un barreau là, un mensonge d'obé, ou tout le monde qui a un corral là, un peu comme un calama, cassera barreau qui a un diamant qu'on a là. Urgent, Mouribabougou, un bâtiment en construction dans la mairie, Mouribabougou, mairie qu'on a là, bâtiment d'Orek Mekadjo, s'est enfondré aujourd'hui. Il y a quelques morts, mon demande au Sara là, malheureusement. Le premier ministre Sogel Kougala Maïga est attendu. Donc, Mouribabougou, vous pouvez dire que la mairie est là. Je vous dis que la mairie est là. Son mec a dit au son de Flenny et Kato Djola, ça s'est effondré. Donc, ça vous parle du niveau de corruption qui est dans notre pays. Son est là. Donc, c'est très très important. Il ne faut pas que Mali soit le coup. Il faut que Mali soit le coup. Parce qu'il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de adresser drone vraiment en sol, mais amassé. Donc, on ne peut pas vraiment ralentir quand ça vient de la corruption. On doit bouger très vite. Parce que tant que Mali zooma, mais il y a un malin bela. Qu'on soit là, vraiment, nous, on a dit que Abidjan Stadium, on a aidé. Et qu'à la Djabaye, on a dit que on a mairie qu'on a là. Et le bâtiment de Flenga Bokabi. Pongé Fenekona là, la même chose est arrivée. Tout est lié au vol. Tout est lié au vol. Yefamu. Mon fin l'angolon. Avec Djamana qui demande l'angoloni. Donc c'est très très important. Angandadou Swelikouina. Mamounoumbe Swalina. Anya me Feneko Arma Sangare Boula. Dokoma ko Arma Sangare Malibla. Kai Katakatani Takabouli. Ko Arma Sangare Katakatani Takabouli. Mais ce n'est pas confirmé d'abord. Parce qu'il est le maire, il est le maire de Bamako. De Naboula avait beau communiquer là. Je sais que ça sera dans le journal parlé et ça sera communiqué officiellement. Mais je ne pense pas que c'est vrai. Les données à Fonyana, mais je n'ai pas les confirmations. Il faut que je m'oublie entre parenthèses. Donc, on est là, on a beau ici, ça, on a un date au Dien Nouvelou là. En même temps, la Hermina, la Russie s'est rendue et Douina, Russie Latara et Libye. Parce que Libye blanc en plein vol. Abadon a fouillé les carafiques à ça. Avec la Libye, on y en a. A quoi Libye, on m'a. Koumeka, Toubeka, ou Nenge. Kale, Kale. Koumeka, Kou Libye, on gagne à don. Kou Toubou tout fait bi, ou tout fait chini. Ou Toubou tout n'a kou fait bi, ou tout n'a kou fait chini. Kou donc, Libye, on gagne Sabali. Ou Kanale, Mohamed, ou Kanale, carafiques Kale. Donc, avec moi, Elimina, Libye, on y a carafiques Kale. Bi, carafiques, y'a m'enfilé à Boula. Devant Dieu et le monde. Donc, j'en ai dans la Libye contre Congo Romado. C'est la Russie. En même temps, la Hermina, ici la Flenye, ou Nani, docteur So complet, Kanani, évacuation complet, pour que vous puissiez que vous avez un Libyen demain, ou le Colombien boulot, ou le bois qu'on a là. Donc, le monde à la Fédron, à la Kaké Karafi, Dino Kaké Président, Libye qu'on a là. Parce que vous faites un Nafolo Nounou, à Bouboulo, à Tchamamba, à Douleno. Donc, à la Deli, ni au Sera Kaké, je crois que Libye peut se rester sur le ni Karafi Dengay, n'a l'extra qu'à quel président, Abina arrête d'avoir au boulot là. Il faut qu'il y ait un autre Libyen. Sinon, Karafi n'a pas de Libyen là. Vraiment, Karafi n'a pas de Libyen là. Ah, la Dieu, il y a un autre. Ou de l'État, 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 ou de l'
faire des blagues sur mesure pour eux, pour que vous puissiez vous faire. Donc, ami Baba Poutine, faut vraiment massacrer Djigi Semela. Je ne sais pas si vous avez dit Djigi. Mais Yanni, quand vous faites ça, c'est très très intéressant. Il faut écouter. Dernier mot de Muammar Kadhafi, après avoir été tué comme un chien par ceux qui se prétendent superpuissance. Je n'irai pas en exil dans un pays étranger. Je suis né ici en Libye et je mourrai ici. Ce pays était un désert. Et je l'ai transformé en une forêt où tout peut pousser. Personne n'aime cette terre plus que ses citoyens. Si l'Europe et l'Amérique vous disent qu'ils vous aiment, soyez prudents. Ils aiment la richesse de votre terre, le pétrole et non les gens. Ils vous aident à vous battre contre moi, mais il serait plus sage pour vous de vous battre contre eux car ils luttent contre votre avenir et votre progrès. Mon message pour vous, le peuple de Libye, c'est qu'ils vous aident à me tuer, mais vous en paierez le prix car vous souffrirez. Et mon message pour vous, l'Amérique et l'Europe, c'est que vous me tuerez, mais soyez prêts à combattre un terrorisme sans fin. Avant de réaliser votre ignorance, les terroristes frapperont à votre porte. Kadhafi a un jour demandé au gouvernement nigérian et britannique de diviser le Nigeria en deux, afin que les Hausa Fulani, musulmans, les Yoruba, chrétiens, et les Biafrais, Igbos, puissent vivre en tant que pays voisins. Il est bon de considérer ces 16 raisons réelles pour lesquelles le col, Kadhafi, a été tué. 1. Il n'y a pas de facture d'électricité en Libye. L'électricité est gratuite pour tous ses citoyens. 2. Il n'y a pas d'intérêt sur les prêts. Les banques en Libye sont détenues par l'État et les prêts accordés à tous ses citoyens sont à un taux d'intérêt de 0% en vertu de la loi. 3. Le logement est considéré comme un droit de l'homme en Libye. Kadhafi a juré que ses parents n'obtiendraient pas de maison tant que tout le monde en Libye n'aurait pas un chez-soi. 4. Tous les jeunes mariés en Libye reçoivent 60 000 dinars, 50 000 dollars américains, du gouvernement pour acheter leur premier appartement. 5. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits en Libye. Avant Kadhafi, seuls 25% des Libyens savaient lire. Aujourd'hui, le chiffre s'élève à 83%. 6. Les Libyens qui choisissent l'agriculture comme carrière reçoivent gratuitement des terres agricoles. Une maison agricole, du matériel, des semences et du bétail pour démarrer leur exploitation. 7. Si les Libyens ne trouvent pas les installations éducatives ou médicales dont ils ont besoin en Libye, le gouvernement les finance pour qu'ils aillent à l'étranger. 8. En Libye de Kadhafi, si un Libyen achète une voiture, le gouvernement subventionne 50% du prix. 9. Le prix de l'essence en Libye est de 0,14 $ par litre. 10. La Libye n'a pas de dette extérieure et ses réserves s'élèvent à 150 milliards de dollars, actuellement gelés à l'échelle mondiale. 11. Si un Libyen ne parvient pas à trouver un emploi après sa graduation, l'État paiera le salaire moyen de la profession comme s'il ou elle était employé jusqu'à ce qu'un emploi soit trouvé. 12. Une partie de la vente du pétrole libyen est créditée directement sur les comptes bancaires de tous les citoyens libyens. 13. Sans vraiment vous citer trop, Assimi Goïta est notre Kadhafi, mes chers compatriotes. Voilà mon point. C'est ça mon point. Assimi Goïta est notre Kadhafi. Voilà l'ambition de Assimi Goïta pour le Mali. Voilà le monsieur qui s'est sacrifié de tout, de sa famille, de ses enfants, pour libérer notre nation. Voilà la personne qui vient d'inspirer toute Afrique ce matin en signant l'agrément militaire entre ces trois pays pour défendre notre continent, pas pour le Mali seulement, notre continent. Voilà la personne qui dit que l'ère Mali qui n'existait plus, ça va y revenir. Voilà la personne qui dit que l'armée malienne ne serait plus l'armée que quelqu'un va s'amuser avec. Voilà quelqu'un qui a la dignité, qui va mettre fin aux francs CFA. Tout ce que nos pères n'ont pas pu faire, voilà l'ambition de mon jeune frère et mon président Assimi Goïta. Mes chers compatriotes maliens, il ne faut pas vous amuser avec votre Kadhafi. Parce que ni quand le clan de la Libye on y est, ou mal à main. Ni quand le clan de la Libye on y est, ou yu kulenga la.
Masami alaye comme Rotaro Kibi Diafini Guya. Assimi n'est pas parfait. Il est la première personne de le dire d'ailleurs. C'est pour cela qu'il dit, si j'ai su, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Nous tous, on a notre devoir à faire. Nous tous, notre patriotisme est demandé. On doit aider notre jeune président, son excellence Assimi Goïta, pour nous amener au sommet. D'ailleurs, de ce fait, aujourd'hui, ensemble, sauvons le Mali. Agné, Kassé d'or, Barake, Massami Alaye, j'ai ensemble, sauvons le Mali, Nyamro, Noé, Youssoufie, Nalanga, coordinateur général, Mbafoua et Baramike. Mais Allah seulement, 22 septembre, don, ensemble, sauvons le Mali, amena Kassé, amena nettoyer, Kakla, Farachi, Kada Kassé, qu'on a un Mali drapeau. Aïreka emblème Mali drapeau couleur de. Donc, amena 22 septembre, ta. Amanga bark 22 septembre dou amba fete jamana djola amba fete ka kakache nettoyer amba fete ka farada kache kono kache mi ni djoube ka sika kache kono la parce que on doit aider notre président bekana ni ka gaba kuru klein kada ni ala soma malion na asmi guta menekanya kadu asuna ngoloche ni ala mafuikana inshallah ana jamana bi nyani libye ni ala mafuikana parce que nous on a plus de richesse que la Libye mais ça c'était entre parenthèses. On a donc à Foko Massacre Mbambolo Bi. Au moins, tu peux dire tout sauf un voleur. Et tu peux lui dire tout sauf dire qu'il n'est pas un Malien. Et tu peux dire tout soi-disant qu'il n'est pas patriote. Il a tout le caractère qu'il faut pour un grand homme. Malgré ses petits défauts. Donc, mes chers compatriotes, il ne faut pas que Anga Kadhafi Klana, Anga Kadhafi Mnekanya, il ne faut pas que notre histoire soit un bon début comme la Libye et finira comme l'histoire de Kadhafi. En trahissant notre leader, il ne faut pas qu'Anga Assimi ait été trompé. On est là, chaque fois s'il est dans les erreurs, je sors et je ne résiste pas de dire mes vérités dans le respect. Et je sais qu'il m'écoute. Donc nous tous, on est demandé d'être des patriotes. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc il y a un peu que nous, Dante, au est Kadhafi, donc Kadhafi sera vraiment toi ou mon cœur, Kadhafi irait donc. Vous ne connaissez pas l'histoire. Je vais vous parler de l'histoire des Blancs. Je vais vous les montrer de quel niveau ils sont racistes. Moi, je suis à la Kalila. 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 Je suis à la que sans l'Afrique, il n'y a pas la France. Et derrière, de plus de cela, ce n'est que des racistes. Ils vont toujours rester que des racistes. Ils n'ont pas d'autres valeurs que leur valeur racisme. Les femmes. Donc, à la main, les Français disent aujourd'hui, en 2023, que la colonisation n'ait pas été mauvaise. Tu as vu quand aux Français, que la colonisation, côté Kodoué. Mais il y a des gens qui sont là, qui Alassane Dramane Ouattara Tomolo Alsa. Ne sont pas là, ne sont pas là, ils ne sont pas là, Alassane Dramane Ouattara Tomolo président. Mais comment est-ce que la Hermina, quand on a signé à Fouaouniana, mon histoire de l'Italie, depuis que l'Italie est dedans, immigrants sont dans l'Italie, plus de 7000 immigrants. Dans 120 bateaux, bâton qui est animé, Kabouka est de Mana Konala. Mais voilà, les bagao, Omro, nous donnons 7000 personnes dans l'Italie. Moi, je suis de Mana Katimani, de Mana Dime, quand c'était les Ivoiriens. Alassane Ouattara avec gros bouche là. Les Ivoiriens sont les plus grands nombreux des immigrants de l'Italie qui étaient dans les bateaux de 120. Ce monsieur, il n'a pas droit à la parole. Il n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, et Alassane Ouattara doit se suicider. C'est un menteur, comme Gago a bel et bien dit. J'ai dit, Mamounou Dona Italie, Baton Kemen Animoua, au Baton Kemeni Mouana, Mamounou, aux 7000 personnes Mounou Dona Italie, qu'on a là, qu'on sait tout que Djamana est comme nous d'ailleurs, mais il n'y a pas. Massami Alaye, au Djamala, Afrique Bella, Djamana Natiana, Djamana Bey, c'est les Ivoiriens. Oui, le monsieur, le financier. Oui, le monsieur avec beaucoup de stadiums. Oui, le monsieur avec beaucoup de goudron. Son pays, c'est le plus grand immigrant immigratoire de l'Italie. Mais ça, on m'a salé à la calle là, on m'a dit ni basa boroi, ni n'a pas prévu de yalala. Moi, je suis là depuis 7h du matin, je suis arrivé hier soir. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, j'ai vu énormément de Guinéens et d'Ivoiriens qui sont francophones. Et la majeure partie, voire 100% des personnes que j'ai interrogées, disent venir en Europe pour mieux gagner leur vie. Ça, c'est très important. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez... Bah, écoutez, Jean-Marc, moi, je suis là depuis 7h du matin. Je suis arrivé hier soir.
Ce que je peux dire, c'est qu'ici, j'ai vu énormément de Guinéens et d'Ivoiriens qui sont francophones. Et la majeure partie, voire 100% des personnes que j'ai interrogées, disent venir en Europe pour mieux gagner leur vie. Ça, c'est très important. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez... Bah, écoutez, Jean-Marc, moi, je suis là depuis 7 heures. Aïe, Nimele. Akoune, Nimele. Jaman min nana et Italie, jamana konna la. Mgo min gacha, jamana katima beka. C'est les Guinéens et les Ivoiriens. Vraiment, ça fait pitié. Hein. Les deux pays qui ont la rivière. C'est-à-dire, et Korodibé, Jamamina. Jamamini, Korodibé. Jamamini, Porbé. Ce n'est pas des pays enclavés. Morobi, Miri, comme Romi, Kumakani, Jamala. Akanaké, Jamana, Dounye, Korodite, Jamana, Mounkonala. Avec Jamana, Dounye, Jamamina, économie, Nafoko, Mali, ni c'est enclavé. Voilà des pays qui ne font que recruter de l'argent par rapport à leur port seulement. Mais voilà des pays qui ne peuvent même pas prendre soin de leur population. Et voilà des pays qui ont des dirigeants qui ont été mis au pouvoir. Et tous ces deux pays, leur président est marié avec des femmes blanches. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et mais ça, on s'arrête là-haut. Tu as vu galon tigre, monsieur galon tigre. Le numéro ne ment pas. Ça, c'est les statistiques. Ça, c'est les statistiques. Tous ces bauxites que la Guinée possède, les Guinéens sont les plus grands nombreux immigratoires en Italie. Tous ces pays cocotiers que la Côte d'Ivoire possède, tout un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà, le président est en train de voler sa population. 29 millions de différences d'euros pour faire le gazon. Gazon d'or. 29 millions de différences de surfacturation. 29 millions de différences de surfacturation. Ça, ce n'est pas d'être gourmand. Hein. Ça dépasse le mot gourmandisme. Donc, quand il y a un peu de temps, quand il y a un peu de temps, nous sommes à Asimi Goutaye, notre premier ministre, qu'on est fier de eux. Vraiment, quand on a fait, quand on est fier de nous là, ils font la fierté de tous les Africains. Les bananes, les bras, nous sommes à la fin. Parce que c'est la raciste. Il faut écouter les Français. Comment, de quel niveau la France est la raciste. Vraiment, il faut être là où il faut être là. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé. Par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clémenceau, personne ne va dire que Clémenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clémenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. La colonisation, c'est oui. Bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Des heures qui ont été... Voilà un Français, Georges Clemenceau, il dit que la colonisation, il y a des heures qui étaient belles. Ça c'est la pensée des Français. Ouais. Voilà comment la France pense. Mais comment la Hermina, 90% de la population de la France pense de la même manière. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelle honte à la civilisation africaine. Quelle honte à l'intelligence africaine. Oh, Francis, quel est le gars qui doit tourner? Quand Oulou a sauvé, qu'il veut amener la paix chez nous. Les gens qui nous ont. Voilà la définition de la colonisation. C'est fait sur le sang. Francis m'a dit qu'il a fait sur le diable. Le français n'a jamais eu quelque chose sans le sang. C'est dans le sang que la France a été construite. Jusqu'à aujourd'hui, la France est basée sur le sang. Le sang de qui? Le sang des Noirs, nous les Noirs. Sans nous les Africains, il n'y a pas la France. Et il n'y aura plus la France. Parce que cette fois-ci, les Africains ne feront plus partie de leurs bêtises. Inch'Allah. Inch'Allah. On ne va plus faire partie de leurs bêtises. C'est fini. Mes chers compatriotes, ça c'est la France. Mais je vais vous montrer, mais là, il a la tournée. De quel niveau ils insistent de leur arrogance. Parce que Ali Biou m'a changé.
Le port, il s'est fait tailler sur les réseaux sociaux. Il a pris cher, mais il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué en expliquant quoi ? On a construit des écoles, on a construit des routes, on a fait plein de choses dans les pays que nous avons colonisés. Alors la colonisation, c'est le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, et puis l'Afrique. Vous connaissez bien l'Afrique, Thierry Breton, Sénégal, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire. Enfin, et puis, les îles, Martinique, tout ça qui sont encore chez nous. Enfin, donc, et il dit ceci, Bruno Retailleau, sur Twitter, il dit... C'est l'esprit de repentance, le problème, qui nous empêche d'établir une relation franche et loyale avec les pays africains. Alors, l'esprit de repentance, il faut le dire une bonne fois pour toutes, c'est de la flûte totale. Ça n'existe pas. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà. C'est la colonisation. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clémenceau, personne ne va dire que Clémenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clémenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme ? Tout est dit dès 1885. Pourquoi Clémenceau dit-il cela ? Parce qu'à l'époque, l'opinion publique française est un peu effrayée, on a oublié, effrayée par l'attitude de l'armée française en Algérie. L'armée française en Algérie, la conquête de l'Algérie, c'est 1840-1870, c'est une succession d'oradours sur glane, des villages rasés, les hommes, les vieux, les jeunes, les combattants, pas combattants, tués, les femmes assassinées, les enfants zigouillés. C'est ça l'armée française qui conquiert l'Algérie. C'est un bain de sang épouvantable, parce que les Algériens, ils nous ont foutu dehors avec le sourire, et puis on n'était pas prêts d'avoir leur sympathie, évidemment. Et c'est parce que Clémenceau a la connaissance de tout ça qui fait l'objet de campagnes de presse dans les années 1850, 1860, des journaux allemands, anglais, partout en Europe, on est effrayé par l'armée française. C'est ça la colonisation. Plus tard, je saute des épisodes, Aimé Césaire. Aimé Césaire est encore, il était martiniquais, donc la Martinique, disons que c'est la France, il a un intellectuel formidable, il a imposé le terme de négritude, c'est les Noirs enfin pouvaient raconter l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, écrit un discours sur le colonialisme en 1950, qui est un discours formidable. Vraiment, c'est un... Et il dit ceci à tous ceux qui parlent, ah, comme Retailleau, là, les écoles qu'on a faites, les hôpitaux, eh bien Aimé Césaire leur répond ceci. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir. Donc voilà la France devant vos yeux. Ça c'est la France, mes chers compatriotes. Donc, comment peut-on imaginer qu'en 2023, dont nous sommes toujours dans l'esclavagisme moderne, parce qu'ils sont très clairs. Tant qu'on mange le franc CFA, nous sommes des esclaves de la France. C'est tout récemment que nous, on a interdit d'avoir l'Air France dans notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas même l'avion à notre nom qui peut faire des va-et-vient partout dans le monde. Donc, cette France-là, qu'on a subi autant, cette France qu'on a autant souffert, c'est voilà cette France qui dit qu'ils vont venir nous aider pour nous faire libérer de la du terrorisme. Et à la tienne, nous avons des mafénas. Nous avons des mafénas. Moi, mi fafra qui bafra, qui devra, qui bim soka. Tu regardes demain mini là. La France n'est pas venue pour nous faire libérer. Ils sont venus pour nous tuer. Ils nous ont forcés. Et quand on a dit non, on peut se débrouiller, ils nous ont assassinés. C'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui au Niger. C'est pas la même chose qui se passe au Mali. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui dont je vous parle qui se passe au Burkina Faso. Et voilà les leaders noirs, comme l'histoire d'ailleurs, qui disent que la France essaierait de bienvenir chez eux, que leur colonisateur va leur sauver. Mais tous ces leaders vont payer le prix, Inch'Allah. Ils seront replacés. Ils seront replacés dans peu de temps, Inch'Allah. Donc, voilà la France. Quand je vous ai dit que
L'habitude et le comportement des Français, c'est pas leur politique. C'est le Français même qui est raciste. Qui veut discuter avec moi, Dante? Qui a à la hauteur de dire quelque chose de mieux que j'ai dit? Toi, tu ne sais qu'elle est sur son maranga. Le Français est raciste. Le Français est toujours raciste. Fabou est raciste. Comment vous êtes dans le quel est son sentiment quand ça vient du racisme et la colonisation? Il ne pourrait pas répondre à la personne. Femi, mon film a séqué à Djabi au bout de 5 secondes. A séqué à Djabi. Mais ça, on va s'en aller à la fin de la vie. A la gueule, on va s'en aller à la fin de la vie. L'arbinisme. 1950, la colonisation est un crime. C'est dit, on ne pourra jamais dire mieux que ça. Mais la France est indécrottable. Février 2005, le Parlement français vote une loi qui a scandalisé le monde entier sur les bienfaits de la colonisation. Article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi dit que désormais, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. C'était votre copain Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, qui a couvert cette honte. Je dis une honte parce que l'année suivante, Jacques Chirac, président de la République, penaud, vraiment c'est ridicule, a demandé au Conseil constitutionnel de l'aider à annuler ce dispositif et la loi a été changée. C'est ça la France. Et voilà que Bruno Retailleau, il revient nous mettre les pieds là-dedans. Enfin, il faut arrêter quand même. La colonisation est un crime, point final, et il faut que nous le reconnaissions tous. Voilà. Donc, Fobi, Yemisengro, Farasi, Klaka, Doni, Congrès, Konala. Jusqu'à aujourd'hui, les Français croient qu'il y a de bons moments de la colonisation. Donc, à nous, le clé là. Voilà les gens que Patrice Talon est en train de supporter. Patrice Talon est en train de supporter. Mamadi Doumbé est en train de supporter. Alassane Ouattara est en train de supporter. Voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes. La guerre avec la France, c'est inévitable. Ni Kélé, Amélie Kelly. L'ennemi de l'Afrique, c'est la France. Ça a été toujours et ça restera toujours. On doit arracher notre liberté. Donc, toi, quand faut, n'allez pas se faire un peu de temps. Masha'Allah, il faut que vous vous rendez compte. Alibi, Francis Masson, colonisation, Alibi, il faut que vous vous donc, il faut que vous vous rendez. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, il faut qu'on donne à fort qu'on a honte à France, qu'il faut s'y dire qu'on a. Sans nous, la France ne va jamais exister et la France n'existera jamais. Nous ne sommes pas là, mais nous sommes là, 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 nous sommes là. Donc, à bon attendeur, Sali, nous sommes là, nous sommes là, rapidement sur le quartier qu'on a là. Into next time. Ciao, Kambé, à la gana Jamana Kanda. Salam alaikum. ورحمة الله وبركاته